Louise Orgeval, connue pour sa participation à Famille Nombreuse, La Vie en XXL sur TF1, se confie sur son opération de chirurgie esthétique qu'elle vient de subir. La famille Orgeval a été présentée au public de TF1 il y a un an dans l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL. Louise, 37 ans, était enseignante dans un lycée professionnel avant de décider de s'occuper de sa grande tribu. Kevin, qui a le même âge, a suivi une formation d'ambulancier. Le couple Orgeval a 6 enfants, Mano, 15 ans, Swan, 14 ans, Mia, 11 ans, Lucio, 9 ans, Oscar, 6 ans, et Noé, 2 ans et demi. Les parents participaient à l'émission pour partager leur expérience un peu extraordinaire, celle d'avoir eu recours à l'adoption de leur petite dernière, porteuse, qui plus est, de trisomie 21. Après un petit mois de présence à l'antenne, les aventures de ce clan s'arrêtaient sur TF1, mais continuent sur les réseaux sociaux. Louise Orgeval avait décidé de se faire opérer suite à un complexe l'été dernier. Les Orgeval ont déménagé et dévoilé leur nouveau lieu de résidence. Malgré des soucis pour l'inscription scolaire de Noé, nécessitant un suivi spécifique, ces anciens résidents de l'Oise se sont battus pour que leur fille puisse avoir une aide à la personne au sein de l'école. Et leurs efforts ont payé. Louise et Kevin partagent leur quotidien forcément extraordinaire sur leur compte Instagram qui compte plus de 93 600 abonnés. Ce dimanche 26 février, la maman a annoncé qu'elle serait absente ces prochains jours. La raison, demain, je me fais opérer. J'ai un complexe depuis longtemps avec mes paupières. Vous ne le voyez sûrement pas grâce au filtre, que je mets essentiellement pour cacher mes yeux, mais j'ai un excédent de peau et de graisse au niveau des paupières supérieures, expliquait-elle. Louise Orgeval donne des nouvelles de son opération. La trentenaire a donc subi une blépharoplastie afin de corriger son regard triste. Et ce lundi 27 février, Louise Orgeval a donné des nouvelles en story sur Instagram. Si est-il le passage éclair le plus rapide de l'histoire, je suis arrivé à la clinique à 13h30, je suis reparti à 15h30. Franchement c'était top, je suis descendu de la table d'opération, le médecin m'a dit je fais vos papiers de sortie vous pouvez y aller, véridique, raconte la mère de famille qui a mis des lunettes de soleil pour l'occasion. Allez je vous montre parce que je vous ai promis mais il m'a fait beaucoup de dessins sur les yeux donc j'ai les yeux violets, plein de stylos, ils sont gonflés aussi mais il y a surtout du stylo et des strips, voilà, elle enlève ses lunettes, note de la rédaction. Mais moi ça va, enfin, je vois pas très bien pour être honnête parce que j'ai la vue un peu trouble et en fait comme les yeux ils sont encore anesthésiés ben voilà si est encore un peu compliqué de gérer mes paupières, et le clignement, j'ai l'impression d'avoir les yeux fermés mais sinon ça va, conclut-elle. À lire aussi j'ai un complexe. Louise Orgeval, Famille Nombreuse, succombe à la chirurgie esthétique et annonce son retrait temporaire des réseaux sociaux.